Bonsoir à tous les gars, c'est Vax809, j'espère que vous allez bien et on se retrouve ensemble pour les grosses affiches. Donc voilà, ça va être notre seul moyen d'avoir des packs. Fini le TOTS Liganos, machin, chaque semaine, chaque jeudi, nous mettait deux packs pour chaque Liganos, enfin pour chaque Ligue en TOTS, pardon. Et bah là, pour le coup, on n'en a pas, donc je sais pas pourquoi il ne nous les a pas mis. C'est un peu dommage, parce que ça faisait deux packs en plus, c'est quand même sympa. Donc ici, quatre rencontres, donc on a Pays-Bas-Angleterre, Philadelphie-New York, Grèce-Italie et Wuhan-Henan, donc un mix entre les... rencontres internationales et les rencontres des clubs, voilà, qui sont encore en championnat. Donc Pays-Bas Angleterre, deux joueurs des Pays-Bas, deux joueurs d'Angleterre minimum, quatre joueurs d'un pays max, ok. 78 de notes, on a 78, 75 de collectif, on est à 100. Donc au cage, Begovic, Coleman à droite avec Mangala et Kabazele en défense, Haps à gauche, Adama, Moy, Cork, Bergwijn, Hernandez et Antonio. Voilà, donc à noter qu'il faut bien entendu deux joueurs des Pays-Bas et deux joueurs anglais, les gars, c'est pour ça que je les ai mis là. Donc pack jumbo, premier mort, ok. Donc les gars, deuxième défi, Philadelphie contre New York. Donc il vous faut 4 joueurs de MLS minimum, 3 clubs minimum, 5 joueurs rares minimum. Donc je vous ai mis que des joueurs rares de MLS, parce que si je vous propose des bronzes, ils vont augmenter de prix et ça va coûter ultra cher. 80 collectifs, on a 94, donc tout simplement vous mettez des japonais. Donc voilà, vous prenez n'importe lesquels, donc voilà, vous pouvez prendre ceux-là éventuellement. Je vous les fais défiler quand même. Mais voilà, prenez ceux à 200. Voilà, vous les achetez à 200. Et voilà, comme ça, il n'y a pas de problème. Et après, vous mettez Villalba, Romero Gamara, Valérie, Piatti et Quintero. Voilà, tout simplement, les gars, avec ça, pack premium or. Donc, c'est pas la folie. On va pas se mentir. Mais bon, il y a un pack joueur prime à récupérer. Deuxième défi, donc 3 joueurs de CSM minimum, donc voilà, vous les chopez à 200 crédits, hein, ces joueurs là j'en ai mis 3, voilà, bah, les 3 hein, tout simplement. Et après, que des Irlandais, donc pareil, vous prenez n'importe lesquels à 200 crédits. Donc voilà, je vous fais défiler les joueurs, mais n'hésitez pas à juste faire la recherche à hein, 200 crédits, vous prenez les moins chers directement et les premiers qui passent, et puis voilà, hein, y a pas besoin de... y a pas de collectif, y a pas de... enfin, y a pas de notes, y a rien à respecter, là, donc du coup, vous pouvez vraiment partir sur n'importe quel joueur. Donc là, on a un petit pack joueur Electrum, et le dernier défi, Grèce-Italie. Grèce-Italie. Donc, deux joueurs grecs minimum, deux joueurs italiens minimum, trois joueurs rares minimum, 75 de notes, 70 de collectif, on est à 82, donc tout simplement, vous pouvez partir sur Mikel, par exemple, Klosterman, Stark, Papadopoulos, Hector, Adewusi, c'est un bronze random, hein. Samaris, Krovinovic, Pelé, Eder et Zivkovic. Pardon. Hop, voilà les gars, c'est validé. Et on va s'ouvrir tout ça. Donc j'espère qu'on va avoir un petit truc. Une petite anime, ça ferait plaisir. C'est vrai que ce matin, bon, on a eu un TOTS quand même. Je vais pas me plaindre, mais bon, je m'attendais un peu mieux au niveau des récompenses fut champion. Alors, ok, un petit Vitolo. À limite, il me file des joueurs de Ligue Espagnole. On pourrait refaire un SBC 81+, là. Donc, c'est assez intéressant, en vrai. Je l'avais déjà, manque de bol. Allez, pack Jumbo, premier mort, les gars. Allez, pas d'animation. Bon, c'est un pack à 15 000, hein, donc c'est normal. Oh, on a les panneaux. Bon, bah, écoutez, on va être content avec les panneaux. Portugais, mais c'est... oh, pas mal, pas mal. En plus, il coûte un peu William Carvalho. En vrai, c'est ultra propre. Je crois que je l'ai déjà en plus, donc je vais pouvoir le revendre. Ouais, c'est ça, on l'avait en doublon. Ouais, ça y est, par un petit 6000, un petit truc du genre. Donc ça fait plaisir. On va le lister après. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, allez, c'est parti. Bon, pas d'animation, ce qui est un peu normal vu la tête du pack. BU allemand. Ok, Philippe, très bien. Ça va pas me servir à grand chose, mais bon. Philippe, Moy, ok. Ah bah Moy, on vient de le cliquer dans le SBC, il revient déjà. Est-ce que toi tu coûtes un peu... non, du tout. Bon, hop, on fait vente rapide, les gars autres, on les envoie au club. Alors ensuite, pack à 25 000, donc pourquoi pas, hein. On sait jamais. Pas d'animation, pas de panneau, aïe 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 aïe, c'est dur. Déception pour le joueur français.
Ouais, Jarstein, ok. Boateng, bon, en vrai, Boateng, je vais pouvoir le revendre parce que bah il est demandé pour le 80+. Et le dernier, le pack Joueur Prime, les gars. Donc, un pack à 45 000 quand même. Allez, s'il vous plaît, animation. Pas d'animation. Au moins les panneaux. Au moins les panneaux. Voilà, c'est cool. Japonais, oulala, Kagawa. Bon, c'est bien. C'est des panneaux quand même. En plus, le mien, je l'ai claqué dans la SBC de Casemiro l'autre jour, je crois. Donc, c'est nickel. Bon, après, c'est vraiment pas la folie. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. On fera avec. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez eu plus de lourd en tout cas. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien. Et like and sub.